je conduis. Ah oui, merde, le capteur. You have one unheard message. First unheard message. Hi, baby. I'm stuck at the gate and they won't let me through. When you get back home, can you look for my ticket? I must have left it behind. Have a good look around and let me know. Love you. See you soon. Je l'ai oublié à la maison. End of message. D'accord. To delete this message. Oh, il y a la flicaille. Qu'est-ce qu'il y a, la police. Oh non. C'est ma femme. Bon, il n'a pas l'air particulièrement choqué, donc je pense pas. D'accord. Trouver les billets d'avion. Peu pour prendre. Oh, déjà je suis tendu. Donc je dois trouver les billets d'avion de ma femme. Y a pas de courant, on n'a pas payé EDF, ça c'est sûr. Hein. Là, on a fait des conneries. Hein. Alors, est-ce que... J'ai pas appuyé sur E aussi, hein, donc... Y a pas de quoi courir dans ce jeu. Eh ben, j'ai envie de dire, le gameplay s'arrête ici. Oh là. Attends. Vous mettez quoi là-dedans? Bon, il y a plusieurs portes. Comment ça pue? Bon. Il me fait peur le vélo. Hein. C'est bon, il y a des taches de sang là. Ça, c'est du sang ou c'est de la peinture? Oh non. Qu'est-ce que je fais? Tiens, je vais suivre le tuyau, tiens. On aurait pu avoir une solution. Hein. Alors, mon gars, si ta baie vitrée est ouverte, inquiète-toi, là. Oh là là, n'importe qui a pu... Mais n'importe qui a pu rentrer, là. Oh, Happy Tune. C'est une grande boîte. C'est une grande boîte, qu'est-ce que c'est? Wow, nice wrapping skills. God, a puppy. I can't believe you did this. I love her. I'm gonna call you Sally. Okay. Now it's time for your gift. Look how clever our little girl is. I'm not sure exactly what's going on here, but she can already draw better than I can. She takes after her daddy. C'est quoi cette merde? Y'a quelqu'un? Oh, eh! Eh, B? Vous voulez des chicken burgers? Eh, les gars, je vous fais des trucs, hein! Vous voulez quoi? Pizza? Chicken burger? J'arrête avec ces accents de merde. D'accord. Oh! Oh! Mais c'est trop bien. Bon, on n'est pas là pour faire de la... Il manque la porte, là. Ah non. Oh, oh là là. Eh, hey, la vaisselle a pas été... Bon, on doit chercher les billets d'avion, là. Laura, arrête. Billets d'avion, on a dit. Tourner la page. Les démons, machin, introduction. Ah non, on va pas lire ça. Hein. Ah bah, ça m'a l'air d'être le chétan. Hein. Le démon Gorgon, tout ça. On passe. Eh ben, c'est pas des billets d'avion, ça? Non? Non? Ok. Ça.
truc de paiement. Baby shower. Ma femme, elle était enceinte? Elle est enceinte? Dog? Hola, cher Gary. Nous sommes ravis de vous proposer cette offre d'emploi pour le poste d'agent de sécurité pour All Sing High Security. Merci de vous informer des termes et conditions affiliées à cette proposition d'emploi. Si vous acceptez cette offre, vous commencerez à travailler le 15-08-81. Ou à une autre date mutuellement consentie et vous serez sous l'autorité de Shane McFarlane. Si vous acceptez notre proposition, les termes et conditions de votre poste seront les suivants. Votre titre sera au fichier de sécurité, blablabla, société vous versera un salaire annuel. Bon, on s'en fout, on a compris. Ma femme, ça? Sarah Halloween. 85. Listen up. We've got some news hot off the presses. This station has received reports that the two lighthouse keepers from Oxford Point Island Lighthouse have vanished. The lighthouse keepers work in 3-month shifts. Qu'est-ce que je fais, moi? On the shift change, two more lighthouse keepers headed out to the small island to relieve them. Upon their arrival, they could not find the men anywhere. It looks like they were halfway through dinner when something interrupted them. There were no signs of a struggle, and all their belongings were still there, including a journal kept by one of them. The journal states several times that the island was talking to them. The most common theory is that the men have suffered from cabin fever and were perhaps accidentally washed out to sea. Other cases like this have been reported on in the past, but have never been fully resolved. Je vois pas d'électricité dans cette baraque. Eh ben non. Mais on vient d'emménager ou on déménage là? Oh putain, c'était quoi ça? Cooking with Massimo. Oh, vas-y, on va cooker. Hein. Welcome back to Cooking with Massimo. Have you ever come home from a work and found yourself stuck in the kitchen? Behind the back bell 7. I've been asked to cook things daily. Oh la la. I know you love his horror stuff. No pancetta. Just on that. This is called the Ring. Yuck. Yuck. Merde. Oh la la. Do you, Sarah Angel Adage, take Gary Ryan Powell to be your lawfully wedded husband, to have and to hold from this day forward, for better, for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health, until death do you part? I do. Non mais attendez là. Non mais c'est elle est gigantesque cette baraque. Alors là on va avoir un problème de taille. Hein. C'est plus une baraque là en fait. Ah non, mais c'est pas possible. Lightly oil the pan. Attendez, faut qu'on fasse toutes les pièces avant. And set the stove to medium heat. You're my heart and soul. Now, love Sarah. With the meat, you throw it in, slap it in here. Merci de nous avoir contacté au sujet de la présence de vos œuvres dans la galerie. Fais peur, mon ces conneries. Ah ouais, donc là on est là. So happy, honey. Par contre, est-ce que je peux vraiment tout c'est horrible. Hein. Bon bah on va grimper. Oh là là. Oh, c'est plus une maison, hein. Mais ils sont où ces purées de billets, là? Allô? Allô? Y'a quelqu'un? Chambre de la petite? Ou du petit, non, c'était Kyle, je crois. Il y a du Pampers par ici, par là aussi. Don't be afraid. I'm only going out for 2 hours.
Comment ça pue, les gars? Ça va le finir. C'est pas moi qui l'ai bougé, ce truc. Ah si. Putain, sans déconner, ils sont où les billets? Ah bah par contre les chiottes, je sais pas, un petit coup de nettoyage, ça ne mange pas de pain. Hein. Oh là là. J'ai peur ça. C'est cliché, hein. D'accord. J'ai très peur. Attendez, si je fais échappe, trouver les billets d'avion, examiner certains objets, point d'intérêt pour déverrouiller des souvenirs. Si vous êtes bloqué, il se peut que le journal de Sarah puisse vous aider. Est à l'aéroport coincé au comptoir. Et apparemment, oublier ses billets d'avion, fouiller la maison et trouver. J'aime bien ça. Hein. Je vois pas, les amis, hein, il reste plus que cette pièce. Hein. Et si par contre là on les voit pas, ça grince. Si par contre on trouve pas les. Ah bah tiens. Eh bah tiens. Ça va commencer. Bon bah je vais me défenestrer, je vous le dis tout de suite, hein, je suis pas très loin. Et voilà. Et voilà. Médicaments jusque là. Strong pain relief, c'est quoi ça? Comment ça pue? Les gars, ça pue. De sécurité, serrure numérique, projet personnalisé, demandant un devis gratuit de 9h à 17h. 0516, retenez, 0516. 0516. Putain de lampe. Bon, ben on sort. Laissez-moi me défenestrer. Je trouve pas les billets, hein. Code de la porte du fond. Ah, là. C'est vrai que ça. Ah oui. 16, c'est ça? Oh putain! C'est bizarre ça. Ah les billets! Je les ai. Oh là là, le son. Et après, je vais où? Dès que j'ai les billets? Parce que là j'ai les billets, hein. Je peux y aller, je peux partir moi.
l'objectif, tirez-vous de là. Oh putain! Mais c'est une... Ah mais... J'ai buté ma femme? Oh non, si vous êtes poursuivi, vous pouvez vous cacher pour gagner du temps avant de prévoir votre prochaine action. Vous pourrez vous cacher sous le lit ou simplement vous accroupir derrière un meuble. Oh merde! Ouais, j'avoue, l'accident du début, du coup, c'était nous! Ah ouais, l'accident du début, c'était nous! Donc on a buté notre femme? On a buté notre femme? Et l'accident du début qu'on voit à l'aller, c'était nous? Appuyez sur une touche pour continuer. Par contre, j'aime pas ça là. Vous me faites chier moi avec les cachez-vous là. I'm stuck at the gate. Je vois ça dans l'appartement. J'ai un cadeau. Oh bah là, t'es pas prêt d'aller chercher les billets, mon gars, je te le dis. Elle va te les apporter, hein. Un moyen de vaincre l'esprit. Non mais... On a un problème là. Let me in. Bah non. C'est quoi ce bordel? ?100% on est mort. Non mais c'est moi qui ai buté ma femme? C'est horrible! Oh non. Non mais là je suis tendue hein. J'ose pas me retourner, j'ose rien faire. Ça pue, hein. C'est une très très mauvaise histoire, hein. Bah bonjour. Trouver un moyen de vaincre l'esprit, peut-être qu'un ouvrage sur les sciences occultes pourrait vous être utile. Un ouvrage sur les sciences occultes? C'est pas un truc qu'on... C'est pas un livre qu'on a vu tout à l'heure en plus? On a vu un livre tout à l'heure comme ça, sûr. Oh, je vais me faire défoncer.
Je vais me faire défoncer la gueule, retenez. Nickel. Je me sens pas bien. Tragedy has struck Pleasant Falls. Une femme a été retrouvée assassinée chez elle. La victime, brutalement poignardée à 10 reprises. Sarah managed to make a call to 911 before she succumbed to her injuries. Oh. The primary suspect of this brutal murder is believed to be her husband, Gary Pout. He was found deceased only mere blocks away, slumped over the steering wheel of his car after a fatal collision with a tree. The murder weapon was found in the car with him, leading investigators to speculate that he crashed his car while fleeing the scene of the crime. The couple had a daughter believed to be 19 years of age, but police have been unsuccessful in tracking her down. If anyone knows the location, please contact Pleasant Falls PD immediately. It is also believed that Sarah is a victim to domestic abuse. If you or someone you know is suffering from domestic abuse, get help before it's too late. Listen up. We've got some news hot off the presses. Oh les gars, putain, ça pue. June 6, 1999. My hands are shaking. Pas mal ça, non? Ça t'intéresse pas? King as I write. Oh putain. Oh là là. Bon, nique-toi, hein, c'est bon, moi j'en ai marre. Je peux plus. Non. Oh là, j'ose pas. Ah oui, c'est vrai, ça le lit. J'arrive pas. Oh, la gueule. Oh. Non mais là ça se passe très mal. Non mais comme ça. Oh là là, et bah wow. Quoi? I look in the mirror. I see only us. Je sais pas ce que ça veut dire, je parle pas anglais, merde. J'ai regardé dans le miroir. Non mais ça pue, va te faire foutre, c'est bon, pardonnez-moi. C'est nickel, c'est là où j'ai buté ma femme, c'est ça? Oh, comment ça a mal finir. Allez, tiens, lis les trucs, là. L'invocation, Spiritus Lapinus, machin et tout le bordel. On est pas dans la merde, tiens. Les esprits vengeurs naissent de morts violentes. Pour libérer cet esprit, vous devez effectuer un rituel. Pour ce rite, vous devez rassembler des objets suivants ayant appartenu à l'esprit. La dépouille du défunt, ou reste de son corps, nickel. L'image du défunt. Vêtements portés devant Dieu. Objet ancestral.
Une fois rassemblés, purifiez les objets par le feu et répandez les cendres à l'endroit du meurtre. Mais quoi ? On est dans la merde. On est dans la merde. Il faut se souvenir de tout ça, là ? Tout ça, on doit prendre ? On est foutu ? Rassemblez les objets suivants ayant appartenu à l'esprit du défunt. La dépouille et tout. C'est pas de ma gueule, le jeu. Ouais, elle va me buter, elle est là. Bah oui, elle est là. Non, non, mais moi, je... Je regarde pas. Je... C'est pas grave. J'ose pas regarder. Ah putain. Oh là là. Ah et bah ça c'était sûr. Ah et ça c'était prévisible. On s'est douté un peu hein. Se cacher, si vous êtes poursuivi, vous pouvez vous cacher. Mais non, mais c'est mort. Je me cacherai pas. Ah, mais c'est horrible. Une femme a été murdered in her home. Elle a été retrouvée chez elle. Elle a été retrouvée chez elle. Elle a été domestique. Elle a été abandonnée. Ah, mais c'est horrible. L'ambiance est très stylée, ouais. Moi, j'ai pas envie de spécialement me cacher, hein. Écoutez, le premier élément requis pour le rituel est une partie du corps de la personne décédée. Peut-être que vous pourriez trouver quelque chose ici, comme des cheveux ou une dent. On a vu une dent tout à l'heure, les gars. Elle était où ? Il y avait un truc chelou sur un bureau, je crois. Oh là là ! On va tellement crever. Ouh. You'll be down there soon. Comment ça? Les tableaux... Oh mais attendez. Oh là là. Je suis trop stressée là. Je me cacherai pas, j'en ai rien à foutre. Oh bah je... Oh bah tiens, c'est fait. Rien à foutre. Hein. Oh, je suis stressée. Hein. I asked him today what... C'est pas grave si elle est là. Enfin, c'est pas grave si c'est grave, mais tant pis. Coucou Marine, comment tu vas? Il n'y avait pas un truc chelou tout à l'heure, les gars? Ah merde, dans le journal, ça parlait de la dent. Honey, it's been 4 years. I need you and I love you more than I can express. Please, please get some help.
They have a clinic, and this sucks. No, oh la la, listen. Don't get angry. No, honey, please. Oh la la. Jim said, "Do you, Sarah?" Don't be. I got. Can you believe it, Gary? It's not just the two of us anymore. Look how. On a don't pas be de... afraid. I'm only going out for 2 hours. Putain. If Maggie can't sleep, just read her this book. Je vais me la prendre de plein fouet l'autre. First of June, 1990. Mais regarde dans ses yeux pleins de haine, je vois comment on en est arrivé là, je ne connais pas. He just stared at me silently with pure hatred. I don't understand how this happened. I don't know him anymore and sometimes. Sauf que ça parle de là-dedans. C'est vous que ça parle de là-dedans, les amis. Parce que dans mes souvenirs. Look how clever our little girl. Can you believe it, Gary? It's not just the two of us anymore. I got you. Don't be afraid. I'm only going out for two. Do you? You're mine. June 6th, là? 1999. Ah! My hands are shaking as I write this. Maggie's gone. Michael's gone. And Gary's gone too. Non? At least the man I love is. It's just me and the monster living inside Gary. And the beatings ici, are getting non, c'est écrit, worse peut-être. And I'm running out of excuses. Elle a perdu une dent pendant le dîner, c'est écrit. The lady next door came over yesterday. She c'est must où vous have voyez heard ça something. Le chien dans cette histoire. She urged me to call the police. Le chien, on sait pas trop. Hein. I love Gary so much. Pendant le dîner. Donc he's c'est peut-être dans la cuisine, hein. Michael leaving us. And he blames me. Maybe it is my dans le cahier fault. Avec le dessin. All he does is drink, locked in that basement, day and night dans reading. Le carnet en dessous d'un dessin. Don't be. I got. Can you believe? Look how. Honey. It... Ah mais là, genre ce carnet là. First of June, 1990. I asked ah oui, him today what he does down pendant there. Le dîner. D'accord, ok. He just stared at me, ah oui, I love the pure hatred. I don't ah oui, d'accord. Bon, bah, on va dans la cuisine. Hein. On va sûrement se faire des coupes, mais on va dans la cuisine. Allez, on y va. Hein. En avant, Guingamp, comme on dit. Oh, je me cacherai pas. Oh, j'irai pas me cacher, je vous le dis tout de suite. Hein. Ah non. Je suis stressée. Ah. Putain. Ah bah c'est nickel hein. I'm not the one with problems. I just need to be okay. It's the only thing I can do to not feel. Deadly SWS, ça veut dire quoi? Deadly S machin est derrière, est derrière. Ah bah, hé! Bah, on va prendre, hein, ça serait con de passer à côté. Ou de récupérer un appareil photo. Pour passer en mode appareil, appuyez sur C. En mode appareil photo, vous pouvez prendre des photos. Bah merci pour l'info parce que bon, j'étais un petit peu dans le doute. Les photos révèlent parfois des indices cachés et des éléments invisibles autrement. Si vous êtes bloqué, essayez de prendre une photo, vous trouverez peut-être une solution. Ou un indice. Cet appareil photo a une pellicule illimitée. Mais si vous tombez sur des pellicules dans le monde, c'est peut-être un signe que vous devriez utiliser l'appareil photo. Donc là... On fait une photo. On secoue. Closer. Oh là là. Pff. Ah bah c'est nickel. Hein. Franchement, on pouvait pas espérer mieux. Ah. D'accord, bon bah. Une ambiance dans ce jeu. Thank you.
Oui, il y a un message sur le mur, oui. I'm not alone, je ne suis pas seule. You're definitely not alone, je suis pas seule. Je suis définitivement pas seule. Mais j'ai pas de la clé de toute façon, donc... Hey. On parie combien que ma femme va me tomber dessus, là? Allez, elle est là, c'est pour ma gueule, allez. Allez. C'est bon. Pour ma gueule, 100%. Riddle Mizis, ça veut dire quoi? Riddle? Oh là là. Qu'est-ce que ça veut dire toutes ces choses là? Résous-moi. Bah ouais, bah résoudre. C'est pas compliqué, il y a eu un meurtre, voilà. Morte. Ah, c'est là qu'il y a des traînées de sang, là on les a vues encore. D'accord, mais Closer, on a une belle traînée de sang, mais ça marque fermé de toute façon. Donc pour moi, c'est que pour le moment, on peut pas y accéder. Oh! Oh, je vais me la reprendre de plein fouet l'autre. Stylé par contre la séquence. Ah mais c'était Closer pas en mode fermé, en mode proche, c'est ça que vous voulez dire? C'était en mode proche. A spokesperson from the CADV, or Citizens Against Domestic Violence, had mentioned during a press statement that it's easy to turn a blind eye to domestic violence by explaining away the problem. Who the fuck are you? All you do is drink. Oh la la, mais les cadres, putain. I don't like this anymore. Oh, ça va être pour moi, hein. Allez, une cuillère pour ma main. Oh, il est mignon, lui. Toi, t'es choupi. Parce que les autres cadres, c'est pas les plus beaux. Hein. Ouais, c'est plus proche, ok. Moi, c'était en mode fermé. Take the time you need, prends le temps dont tu as besoin. Le programme de solidarité communautaire est en vigueur depuis plus de 10 ans, en proposant généralement des travaux de maintenance, de restauration de logement. Un de vos amis nous a parlé de votre situation, inutile de préciser que nous avons été très touchés. Nous avons décidé de vous proposer une rénovation de votre propriété d'une valeur de 79 000 $. Ce montant représente une partie importante de notre budget annuel, mais nous pensons sincèrement que votre situation mérite cette main tendue. Et notre bonne volonté, une équipe d'inspection passera chez vous le week-end prochain pour vous rencontrer et faire une première évaluation. Votre avis n'est pas obligatoire, mais il s'agit de votre maison. Et nous vous conseillons de vous exprimer. Nous sommes sincèrement désolés de ce qui vous est arrivé, espérons que cette... Ah, c'était pour refaire la maison, en fait, qu'il a buté sa femme. Attendez, je vais prendre une photo, parce qu'on sait jamais, on n'est pas à l'abri qu'elle soit là, en fait, hein.
Oh non. Ah bah nickel, et bah comme ça, bah tiens, je vais y aller, tiens. Ça, je me dis... Si on peut avoir une bonne ambiance, là aussi... Ah, oh, on y va. Il y a sûrement toute la famille, en plus. Ce serait con de passer à côté. Il y a un truc qui brille en face, non mais... Donc le sang, il est là-dedans. Oh, il y a des trucs écrits partout. Déjà, il y a un truc écrit là-dedans. Oh la vache. Deadly sin. J'y vais ou pas? Mais là, je vais crever. Non mais là je vais canner. Oh oh. Down the rabbit hole. Qu'est-ce que je fous ici? Eh! Franchement, moi je vais attendre là. Hein. Non mais se cacher, je sais pas ce que je fais les gars, je suis en full panique. Non mais je vais pas me cacher, je pense que je vais aller affronter mon destin. Écoutez, je l'ai tué, donc je pense que bah au bout d'un moment, ça sert à rien de se cacher. Je me suis pas cachée hein, pour la buter. Hein. Je me suis pas cachée. Ah, c'est les péchés capitaux, ok. Péché mortel, ok. Non, mais on va sortir. Au bout d'un moment, faut se sortir les fesses et puis on y va. Tant pis pour nous. On a joué au con, on assume. Bon bah je vais mourir. J'ose pas me retourner. Ah bah j'ai la dent, bah voilà, c'est le plus important, maintenant elle peut me buter. Voilà, et bah voilà. Oh là là, chérie. Allez, on peut discuter, chérie. Attends. Oh là là, bah oui, bah non mais je me doute, ça c'est des années, effectivement. Ah parce qu'elle t'a pris quelques coups de couteau, c'est vrai, mais attends. On peut peut-être discuter. Oh là là, c'est... Pas de discussion possible hein. Oh la vache. Elle prenait des médicaments aussi. Tu m'étonnes. Lui il est un alcoolique, elle prenait des médocs parce que bah son mec la faisait flipper. Après, il y avait quoi? Il l'a planté. Hein, donc, moi, ce qui me dérange, c'est quand même de jouer le meurtrier. Trouver une photo de la défunte. Super. Ah, oh bah là, je vais la recroiser, c'est sûr. Hein. Ça va mal se passer. Trouver une photo de la défunte. Oh, putain. C'est pas grave hein, si je me fais buter. Hein. Elle est où? Tant pis, hein.
Non mais, sous une table basse. Non mais, on en est là? Puis je vois rien. Hein. Non mais. Sous une... Non mais j'aurais tout vu là, j'aurais tout vu. Puis non mais elle se... Elle nous voit pas, ça c'est... Le mec il doit faire ma taille, il doit faire 1m50, c'est tout. Le mec doit faire 1m59, c'est sûr. Médaille d'or de la souplesse. Non et le gars il doit être déjà petit et très souple. Hein. Il bronche pas le mec. Hein. Non non mais là il va falloir qu'on sorte. Hein. Tu vas assumer tes conneries. Hein. Ah non tu vas assumer tes conneries, tu vas lui parler. C'est toi qui as merdé dans l'histoire, c'est pas nous. Hein. Ah c'est des histoires des incrustions. Lust, greed, pride, envy. Ok. Non mais là je sors ou pas? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais là? Je sors? Je sors hein? Tant pis si je me fais buter hein? Je me recache, je ne sais pas. Va vers les bruits, non mais c'est un mauvais bail. Hein. Je vais pas aller vers les bruits. Non mais 100% je me fais buter là. Elle est où la photo de ma femme du coup? Donc là je peux me cacher là? Non parce que j'étais en mode c'est abusé. Chambre du gosse. Il y avait des trucs dans la chambre du gosse. Non mais là. Il y a un truc qui brille au sol. On va aller le prendre. Hein. Derrière moi, 100%. Et par contre, j'ai une visu... Un visu de merde, on est d'accord? Non mais là, c'est horrible. Oh bah tiens. Bah oui, non mais c'est sûr. Hein. Oh là là. Non mais là, elle va passer son temps à rôder. Passer son temps à rôder là. Oh tant pis de la merde. Eh c'est bon, au bout d'un moment faut assumer les conneries qu'on a faites. Et si je lui demandais?
Chérie? Chérie, est-ce qu'on peut discuter? Je sais que ces derniers jours ont été particulièrement tendus, hein, si on peut dire ça comme ça. Ça a été tendu. J'avoue, prendre une photo de la défunte, j'ai qu'à la prendre en photo elle. Bah tiens. C'est écrit quoi? He's gone, but I still hear him. Il est parti, mais je peux le sentir ici. C'est écrit quoi? Ah. C'est quoi cette merde? Oh là là. Eh bah tiens. Je suis où? J'ai des frissons, les gars. J'ai des frissons. Non mais ça fait que chialer, c'est un truc de ouf. Après je comprends, hein. Ah non, c'est genre qu'il y a plusieurs morceaux. Le morceau manquant de la photo. Bon, on n'est pas dans la merde. Hein. Fais dodo, t'auras du lolo. Maman est en haut. Je sais pas ce que c'est la chanson. Oh là là. Fais dodo. I told you I was sleeping. He was out with Maggie getting ice cream. Something I don't know. I was asleep. Look, my baby boy just died. And I don't know how. What kind of God would kill an innocent baby? Non, I didn't quoi? Kill my son. Yes, I had postnatal depression, but I'm telling you. Attendez, attendez là. I had a strange feeling something was wrong. And I ran to his room and I found his crib collapsed. Non, non, mais là, il y a un... My baby boy. Non, mais là, il y avait un problème. Je me sens pas bien. Oh, je me sens pas bien. Il était tout bleu. Non, mais il a été buté, hein. I told you I was sleeping. He was out with Maggie getting ice cream or something. I don't know. I was asleep. Look, my baby boy just died, and I don't know how. What kind of God would kill an innocent baby? I didn't kill my son. Yes, I had postnatal depression. I'm telling non, mais... you. C'est trop angoissant. An investigation has begun into the tragic death of a 6-month-old baby boy. The father was out with their 6-year-old daughter buying groceries. When they returned home, they found the mother of the child holding the infant in her arms. Authorities have taken the mother in for questioning, but she has since been released. A spokesperson for Pleasant Falls PD told us that the death has been ruled accidental. However, the investigation is ongoing. It's believed that faulty nursery equipment may have failed, causing this tragedy. Infocare has issued a full recall on all their bassinets in accordance with the ongoing investigation. Our best wishes and condolences go out to the family involved in this tragedy. Oh
là là, ceci est une ébauche de rapport non censuré au moment de sa rédaction. Je suis encore sous le choc. J'ai récemment répondu à un appel qui provenait d'un lieu très isolé dans les bois. Une vieille cabane de chasse. L'appel d'origine a été enregistré, mais je trouve plus la bande. Le discours de la personne au bout du fil n'était pas très cohérent. En arrivant à la cabane, j'ai rien remarqué de particulier. Le bâtiment est bien protégé, le puits à l'arrière présente un gros risque. Il faut le couvrir, au moins mettre une barrière. J'ai failli tomber dedans. J'ai entendu des bruits étranges qui venaient de la cabane. Pensant que quelqu'un pouvait être en danger, je suis entrée, l'endroit était assez bien tenu. Mais une odeur très forte semblait provenir du sous-sol. J'ai trouvé une trappe, mais je n'ai pas réussi à l'ouvrir. En contournant la cabane, j'ai trouvé des volets de sécurité qui menaient vers le sous-sol. C'est là que les choses ont commencé à devenir étranges. Je suis descendue dans le sous-sol et j'ai vu des animaux morts, que je considère encore aujourd'hui comme des pièces de taxidermie. Vu l'emplacement et la fonction de la cabane, l'odeur est devenue si forte que j'étais submergée et que j'ai perdu connaissance. Je ne savais même pas que c'était possible. Cet évanouissement est déjà une expérience étrange. Et ce qui s'est passé ensuite, je suis incapable de l'expliquer. Je me suis réveillée dans les bois. Je ne portais plus mon uniforme ni mon arme de service. Je ne savais pas où j'étais. J'ai pratiqué la chasse et je sais pister. Il m'a donc suffi de retracer mes pas. Étrangement, j'étais venue jusqu'ici seule. Il n'y avait pas d'autres traces. J'ai remonté la piste vers le nord pendant 6 heures. Je suis enfin tombée sur une clairière. De ma position, je pouvais voir la cabane. J'ai retrouvé mon arme de service. Elle avait été déchargée. Je suis restée à bonne distance de la cabane et j'ai rejoint mon véhicule. Je suis partie aussi vite que possible. En arrivant en ville, je me suis rendu compte que j'avais perdu 4 jours. Oh là ! Et j'étais inconscient pendant 4 jours. Ai-je tiré avec mon arme sans m'en souvenir ? Ou était-ce quelqu'un d'autre ? Sur quoi a-t-on tiré ? Je n'ai aucune réponse claire, toutes ces questions, mais l'événement m'est revenu en rêve. Quelqu'un ou quelque chose m'a attaqué dans cette cabane. Je ne vois jamais aucun visage, mais j'entends un grondement sourd, une voix très profonde qui semble parler une langue incompréhensible, sûrement du fourche-langue. Je ne crois pas qu'elle puisse en sortir, elle m'envoie une sorte d'attaque mentale. Je tire avec mon arme et je me réveille. Ce n'est qu'un rêve, bien sûr. Je ne sais pas si mon subconscient essaie de me dire quelque chose, mais je me sens épuisée psychologiquement. J'ai rendez-vous demain avec un thérapeute. Non mais what ? Excuse-moi, ma chaise un peu. Non mais, sans déconner. Il se passe pas des trucs bien chelous ici, là ? An investigation has begun into the tragic death of a 6-month-old baby boy. The father was out with their 6-year-old daughter buying groceries. When they returned home, they found the mother of the child holding the infant in her arms. Authorities have taken the mother in for questioning, but she has since been released. A spokesperson for Pleasant Falls PD told us that the death has been ruled accidental. However, the investigation is ongoing. It's believed that faulty nursery equipment may have failed, causing this tragedy. Infocare has issued a full recall on all their bassinets in accordance with the ongoing investigation. Our best wishes and condolences go out to the family involved in this tragedy. Rapport d'enquête. Nous avons reçu plusieurs signalements d'un homme portant un chapeau haute forme qui rôde dans les bois. Les résidents dépositaires sont des citoyens honorables et dignes de confiance. Une enquête a été ouverte en raison de la nature du signalement. Les témoins décrivent un homme de près de 4 mètres avec des yeux rouges luisants, et pas de visage. Bien entendu, il est difficile d'obtenir un portrait robot. En plus de la nature étrange des témoignages, l'état des lieux incriminés est extrêmement singulier. Après inspection sur place, les feuillages en sol vert avaient gelé. Éclatant en mille morceaux, même les brins d'herbe étaient réduits en minuscules fragments. Je ne sais pas ce que les gens voient, mais ils en sont tous en tout cas convaincus qu'il y a bien quelque chose qui cause cet étrange phénomène. Le journal local surnommait le personnage aussi chapelier froid. Toute la ville est intriguée. Mon rôle est d'assurer la sécurité de s'administrer tant que je ne serai pas sûr que cette chose n'est pas une menace, je continuerai de recueillir des témoignages. Par contre, j'avoue que 4 mètres, le bordel. An investigation has begun into the tragic death of a 6-month-old baby boy. The father was out with their 6-year-old daughter buying groceries. When they returned home, they found the mother of the child holding the infant in her arms. Authorities have taken the mother in for questioning, but she has since been released. A spokesperson for Pleasant Falls PD told us that the death has been ruled accidental. However, the investigation is ongoing. It's believed that faulty nursery equipment may have failed, causing this tragedy. Infocare has issued a full recall on all their bassinets in accordance with the ongoing investigation. C'est pas trop angoissant, ça va. Tu peux caler en B6.
pas. Cacher le screamer avec la photo. Investigation has begun into the tragic death of a six-month-old baby boy. The father was out with their six-year-old daughter buying groceries. When they returned home, they found the mother of the child holding the infant in her arms. Authorities have taken the mother in for questioning, but she has since been released. A spokesperson for Pleasant Falls PD told us that the death has been ruled accidental. However, the investigation is ongoing. It's believed that faulty nursery equipment may have failed, causing this tragedy. InfoCare has issued a full recall on all their bassinets in accordance with the ongoing investigation. Our best wishes and condolences go out to the family involved in this tragedy. Oh, ça sent la grosse douillasse. Oh là là, ma femme. Oh bah oui, 100% c'est elle. Je la reconnais. Oh là là. Dans l'ascenseur qu'il y avait un truc et je l'ai pas vu. The father was out with their six-year-old daughter buying groceries. When they returned home, they found the mother of the child holding the infant in her arms. Authorities have taken the mother in for questioning. On va lire le chat. Bah, je le lis. InfoCare has issued a full recall on all their bassinets in accordance with the ongoing investigation. Our best wishes and condolences go out to the family involved. Merci Loka, merci beaucoup pour ce 7e mois d'abonnement, comment tu vas? Merci beaucoup. Par contre, je vais me prendre un truc de plein fouet dans la gueule, c'est sûr. Merci beaucoup Loka. Ah bah tiens. Confidentiel. Michael Prout, on l'appellera Michael Prout, c'est nous. A été retrouvé mort par sa mère, Sarah Prout, à leur domicile. Celle-ci affirme avoir été réveillée dans son sommeil par un bruit suspect, provenant de la chambre de son fils. Ah non, Michael Prout, c'est le fils alors. Une fois sur place, elle a découvert le corps sans vie de son enfant. Cette enquête a été ouverte dans le but de déterminer la cause du décès ainsi que la responsabilité qui en découle. Le père de la victime, Gary Prout, ainsi que sa sœur Maggie Prout, ne se trouvaient pas sur les lieux au moment du décès. Ils ne se sont pas écartés, mais présentent pour l'instant pas intérêt. Ok. Sarah Prout est la principale suspecte. Ah. Une photo. Putain, elle fait peur. Hein. Ah bah oui, bah... C'est horrible. I'm dead. This is only the beginning. Quoi? Vous n'avez qu'une partie de la photo, vous trouvez les... Non mais là... Ah, il nous en manque une encore, hein. Oh. Oh putain. Salope, pardon.
excusez-moi, mes mots sont partis trop tôt. Excusez-moi, j'ai tiré. Oh, elle m'a surprise. Pardon. J'ai été surprise, effectivement. Sainte Mère serait plus le terme adéquat, effectivement. Sainte Mère. Oh, elle m'a juste fait peur. J'ai été surprise, c'est tout. Sainte Mère, plus le thème adéquat. Welcome. Pardon. Oui, oui, j'ai bien dit Sainte Mère. Vous avez bien entendu. Non, non, mais j'ai bien dit Sainte Mère, effectivement. Vous avez très très bien entendu. C'est chiant le fait de savoir qu'elle roule là. Garage. Ah, il faut qu'on aille au garage maintenant. Quoi? À toutes? À tic? Elle va me choper. Hein. Elle va me choper. Me dire garage. De quoi, qu'est-ce qu'il y a le chat? Qu'est-ce qu'il y a? Vous me prenez pour qui là? Non mais moi j'ai pas envie. Oui, et puis il est où ce maudit téléphone? Allô? I can't hear you. Fais-moi sur le babyphone. Baby monitor. Purée de patate. C'est pour moi, elle est là. Tarif, allez hop. Entrée plat dessert, c'est maintenant. Elle est là, voilà. Et voilà. Allô?
ça me stresse, hein. Ça fait un bail que j'avais pas vu un répertoire comme ça. Bon, on fait quoi, là? Est-ce qu'il y a un autre babyphone dans la chambre du petit? Vous me direz. Parce que là, il y a un babyphone. Est-ce qu'on avait trouvé un autre babyphone à l'étage, dans la chambre du petit? Non, je sais pas. Codiamondo, comment tu vas? Bon, j'y vais, hein, tant pis. Hein. Si elle me chope, terminé. Hein. J'ai besoin de vous, le chat. A dit que c'est grenier, donc il y en a peut-être un. Trop tard. Tant pis, je l'affronte. Rien à faire. Ah bah oui, non mais là c'était sûr. Hein. Ah là, elle a changé de mode opératoire. Oh! Un coup de pied dans les noisettes. Coucou chérie, ça va et toi? Oh, mais c'est insupportable là. Oh! Il est affreux. Où c'est qu'il y a un babyphone ici? Où ça? À gauche avant la chambre du bébé. Je vois pas où c'est. Bienvenue à tous ceux qui sont en train de rejoindre, comment ça va? Là? Bizarre. Regarde le jouet rouge par terre, il y a des lettres jaunes. Je suis sûre que c'est un indice. Le jouet rouge par terre. Ah ouais, vu que je me déplace. Enfin, forcément, pour vous, c'est en décalé, donc... Ah, ça, là? Oui, ça, pour moi aussi. Ah oui, j'avoue, les lettres. A, E, O... Welcome. J'avoue que ce truc là c'est bizarre quand même. Hein. Un babyphone dans ma pièce débarras. Avec une planche à repasser. La pièce débarras elle était où? Ah les gars, je sèche là. Est-ce que finalement, quand elle m'a dit « Rejoins-moi au babyphone », je l'avais pas... Oh là là... Lettre jaune, c'est juste les voyelles, c'est pas bizarre, moi, je trouve. Attendez, il y a du sang, là ? Ah ouais. Elle va me goumer là. Allez, la mort est proche maintenant. On y va, on donne tout. Ben là, on va se faire couper. C'est une dictée magique, j'avais la même quand j'étais petit. Ah ouais? Moi je connais pas du tout. C'est quoi ce bordel?
Ma flashlight là, elle est morte. Ah mais là c'est très compliqué hein. Ah. Je vais me cacher hein, mais bon je vais mettre la grosse flashlight, hop là, comme ça c'est fait. Dans le doute. Alors là, je sais pas où il faut aller. Hein. Parce qu'ils ont parlé de babyphone. C'est bien beau le babyphone. Mais en fait, est-ce que j'ai pas devancé le jeu quand tout à l'heure j'ai utilisé le babyphone, justement. Avec la lampe, c'est pas cramé. De ouf. Bah, si vous avez la localisation de la dernière photo, je dis pas non. Tâche de sang sur la dernière photo. Peut-être suivre. Ouais, ouais, je sais. Je vois où c'est du coup, mais je vois rien de spécifique. Hein. J'ai suivi et il n'y a pas grand chose. Hein. Coup Breaking Ben, comment tu vas? Ouais, tâche de sang, mais. Il n'y a pas un bug avec ma lumière, regardez, je vois plus rien. Il y a un bug avec ma lumière, je crois. Ah bah c'est pour moi. Elle vient m'attraper. C'est fini les gars. Je vais me poser là, mais c'est mort. Tu regardes au plafond dans le couloir. Au plafond dans le couloir, on voit la trappe dans le grenier. Enfin, pour le grenier, ok, on va regarder. Non, mais elle me dépouille. Hein. Elle me dépouille littéralement. Ah, je vous ai dit, avec moi, le jeu il va durer 3 heures. Et encore, 3 heures, je suis très gentil. 3 heures dans le meilleur des cas. Lundi, ça se trouve, on y sera encore. Ah, ouais, là. Effectivement. Je trouve qu'il y a écrit un truc sur la porte des toilettes. Hein. Eh ben non. Alors là, les gars, je sèche. Je sèche comme Jaja. Garage Maggie Toys. Attends, en fait, tous les cartons se déplacent. De la peinture. Encore de la peinture. De Maggie. Oh. Bathroom. Enfin. Ouais, ok, mais. Donc dans le garage, je peux encore ouvrir des trucs en fait.
C'est quoi ce bordel? Mais c'est très bizarre en fait, je peux pousser les... Je peux pousser les, tous les cartons. C'est quoi ce bordel? Mais même le carton de couche. Oh là là. Ah bah si vous avez une idée. En fait je peux tout pousser. Pas ce que je dois faire. Bon, je vais me faire couper, hein, mais bon. Qu'est-ce que je dois faire? Les cartons, c'est pour te cacher? Bah. Ça va pas durer longtemps parce que voilà, elle va me bouffer là. Oh les gars, je sais pas ce que je dois faire. J'étais dans la cage d'escalier depuis le début. Oh la vache. Oh purée. Elle fait peur quand même. Hein. C'est vrai qu'elle fait quelque chose, quoi. Elle a ce petit quelque chose. Très bizarre cette mécanique de tout bouger comme ça, mais je... Je sais pas quoi faire. Bouger le divin PQ, je vois pas ce que je peux faire. Hein. Ok. On va faire une photo. Si vous avez un indice, les amis, sur... sur l'autre photo, moi je veux bien. Je trouve qu'elle te Hein? Elle me ressemble, tu trouves? Oh là là. Oh ça, ça fait très peur. Et je prends la photo là, non? Je trouve qu'elle a un certain charme. Oh, merci Loka, ça me rassure. Hein. Ce que t'as dit avant le café, le problème c'est vu que je bois jamais de café. Vu que je bois jamais de café. En fait, on se ressemble constamment, quoi. Clément, comment tu vas? Bienvenue à tous ceux qui sont en train de rejoindre. Non mais... Elle est où? Où est la maudite photo? Je me demande, hein.
voir dans la cuisine en bas, je pense qu'on l'entend pleurer à travers un babyphone. Qu'on est dans la cuisine, mais elle va encore me couper, hein. Écoute, maman est près de toi. Il faut lui dire maman. Il y a quelqu'un pour toi. Oh la vache, ça m'a fait peur là. La photo manquante. J'ai. Quel est mon but maintenant? Trouver une photo de Sarah. C'est bon, on a tout. Hein. Ah non, 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 vous nous mentez pas là. On a, hein. On a photo de Sarah. On a tout. Hein. Photo de Sarah reconstituée. Hein. Allez hop. Hein. Bien joué. Hein. Bravo le chat. Is this real? Ah bah yes. Hein. C'est complètement real hein, tout ça. Oui, c'est vrai qu'il faut la cramer. Ah merde. Comment je fais pour mettre la photo au feu? Comment je la crame? Manquer des trucs quoi, ouais. Sûrement de la glu. Bon là. C'est la fin du rituel, non? Je sais pas. Ah! Moi je veux plus me retourner. Chérie, hein. L'agressivité, hein. Non mais c'est fou, hein. Toujours, hein. Ça ne s'arrêtera donc jamais. Je prends tarif, hein. Non mais en fait c'est ma femme qui a buté le bébé, moi j'ai buté ma femme derrière. Oh là là. Vêtements portés sous le regard de Dieu. Donc une robe de mariée. Un vêtement porté sous le... Oh là là. Sous le regard de Dieu. Une robe de mariée. Bah du coup dans notre chambre il y a forcément... Il y avait un dressing non dans la chambre parentale? Non? ?100% je me reprends l'autre de plein fouet. Il
Il n'y a plus de dressing, et bah comme ça, au moins c'est fait. January 11th, 1986. Oh là là, on rentre avec un nouveau venu dans notre little famille. Michael. Le petit Michael. Il est parfait. Pourtant, je ressens une sensation étrange. Je suis au bord de la déprime. Je me sens coupable d'être mal alors que nous devrions être heureux. Gary a été formidable, mais il ne comprend pas ce que je ressens. J'ai essayé de lui parler, mais il se braque et me demande d'apprécier ce que j'ai. Il a raison. Mais ce n'est pas si simple. Est-il normal de souffrir de baby blues pour le deuxième enfant quand on n'en a pas fait pour le premier? Je suis déprimée et heureuse en même temps. C'est vraiment perturbant. J'espère que ça va passer. Je sais que Gary me soutiendra. Je suis sûre que tout va bien se passer. L'infirmière m'a conseillé de tenir un journal pour verbaliser mes pensées. Alors voilà, je m'y mets. Sentez la douille. January 11th, 1986. We just got back from the hospital with the latest addition to our family, little Michael, and he's perfect. Feeling a little strange though, almost depressed. I feel so. Oui, je pense qu'elle a buté son fils. En fait, y a rien qui tourne dans cette famille. Ouais, ma peinture semble vivante. Je vais essayer de trouver sa peinture en question. Si je me fais pas déglinguer, bien évidemment. Oh là ! Elle était pas là, toute cette famille, là. Vois-lui sa robe quand elle t'attaque. Mais y a... Ils me paraissent... Attendez, par où je pourrais passer? Si vous avez des trucs à dire, c'est maintenant. Genre me donner des endroits où aller ou quoi? La peinture est vivante. Ah, il va falloir que je cherche... Ouais, le cheval rouge, il était par terre tout à l'heure. Même, il n'y avait pas autant de peluches et tout. Sur l'étagère des jouets. Ouais, mais c'est ça, grave. Ouais, ouais. Bon, je vais descendre, mais je vais me faire goumer là. Sur le coup de pied. Il faut trouver la peinture. Hein. Je peux pas courir. Il faut que je trouve la peinture en question. T'étais à la peinture. Ah bah tiens. Elle était où la peinture? Ça brise, hein. Hop là, dans la peinture. Ça, ça pue aussi. Ah, est-ce que c'est la fameuse cabane dans les bois?
23 mars 1985. Il a voulu me surprendre ce week-end. Il m'a bandé les yeux et m'a assise dans la voiture. Quand il m'a enlevé le bandeau, j'ai vu cette affreuse cabane délabrée perdue dans les bois. Apparemment, il a acheté le terrain à une vente de succession. Ça appartenait à un chasseur qui venait de mourir. Il veut la retaper pour qu'on ait un petit endroit romantique pour nous deux. Maggie va rester chez les voisins ce week-end. Est-ce que c'est la fameuse cabane dans les bois? March 1985. Ce n'est pas le même homme quand il est ici. J'ai eu des doutes au début. L'endroit est flippant, mais franchement, la nuit dernière, c'était génial. C'était peut-être pas une si mauvaise idée. Ça m'a juste une touche féminine. It just needs a woman's touch. Ah, c'est cool. Ah, j'ai peur. Oh oh. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, prends une photo. Did you hear that? Oh putain, non. Dad's a drunk. J'ai entendu, papa est un alcoolique. He drank and drank. Oh le sang. Oh le sang. Oh c'est horrible. Ah ok, je viens de voir, c'est bon. The answer lies below. Oh là 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 là. On y va, mais... Je ne peux plus jamais revenir ici. Mais c'est horrible, mais qu'est-ce qu'il a fait? La nuit dernière, j'ai entendu des tas de bruits étranges, j'ai entendu des voix murmurer. Oh, j'ai des frissons. C'est pas bon, ça. I appreciate taxidermy as an art form, but this looked like more than that. Between the cabin's unknown history and the strange noises, it would be a cold day in hell before I'll set foot in here again. Oh là là. Ah, ça me... Start. Je suis pas bien. Mais y'a rien qu'elle est dans ce couple, hein. Oh, mais c'est pas possible, hein. Vous avez, ne faites pas croire qu'on va trouver la robe de mariage ici. Hein. Oh là là. Non mais attends, c'est Baptiste en fait, on l'a retrouvé. Il a filé un mauvais coton, Baptiste. Hein. Hop, 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 hop. Déjà la robe de mariée sur elle-même, la femme. Je me fais la réflexion, hein. Mais je suis à cet étage là. Le matin au grenier. C'est beaucoup trop simple. C'est bad luck to see the bride before the wedding. Pas malheur de voir la mariée au mariage, non, c'est pas là. Oh là là. Wait a minute. Come here, you. Prends le voile. Now go.
Mais non, mais oui, je sais. C'est l'angoisse, cette femme, hein, constamment. Hein, votre appareil photo est un bon moyen pour repousser le fantôme, mais méfiez-vous, ça va la rendre vraiment furieuse. Quoi ? Ah, mais je peux repousser en faisant une photo d'elle ? 95 deaths. 60% of those were alcohol related. The slaughterhouse down there was some really weird shit going on. Just needs a woman's touch. A cold day to change the man out there. Bonne nuit, Artie Twist, repose-toi bien. Ça marche, tu garderas l'ardif, ouais. Bonne nuit à toi, repose-toi bien, Artie Twist. Oh, ça pue, hein. Oh, puis le ciel comme ça. Where is my flashlight? Ah, bah, sur moi. Trouve un objet ayant une valeur sentimentale. Fight you. Mouse useless. House useless. Mom? J'en sais rien, les gars. Dad? Oh! Dad, l'alcool. Oh là là. Dear diary, I haven't spoken to dad in years. Cher journal, ça fait des années que j'ai pas parlé à papa. On s'évite le plus souvent possible, passe son temps à boire et j'ai peur de lui parler. Maman est devenue une épave, elle est tellement faible, je les déteste tous les deux, j'ai horreur de cet endroit, je suis comme une prisonnière dans ma chambre. Je peux pas faire venir mes amis, je passe tout mon temps chez Bridget. Il faut que ça change, j'ai rencontré un garçon il y a deux mois, il s'appelle Carl, je crois que je l'aime. Hier, je lui ai parlé de tout. La mort de mon frère, mon père alcoolique et ma mère sous cachet. Je pensais que ça allait le faire fuir, mais il a dit qu'il veut me sauver. Il dit qu'on devrait fuir tout ça et je crois qu'il a raison. J'ai pas d'avenir ici. Je peux pas rester là. Je culpabilise un peu d'abandonner ma mère. Même si elle était moins lâche, elle serait partie avec moi il y a bien longtemps. Il faut que je m'en aille. Oh là là. I feel bad leaving my mom, but if she ever grew a spine, she'd have taken me away from here to you. La petite, elle était mal. La bière, peut-être que dans la bière on trouvera quelque chose, hein. Oh là là. On va falloir qu'on trouve quelque chose, les gars. Aidez-moi. Il faut qu'on trouve quelque chose. Alors quel est le but, là? Vous devez trouver quelque chose ayant appartenu à la famille de votre femme. Un bijou, peut-être. Trouver quelque chose ayant appartenu à la famille de votre femme. À la famille de votre femme? Parce que là, on voit qu'il y a un collier de perles sur le dessin. Peut-être pas ça. Hein. Dear diary, I haven't spoken. L'alliance? Je sais pas du tout. Je vous écris à propos de Maggie et de la baisse de résultats scolaires. Quand elle est arrivée ici, la moyenne c'était notre B+, maintenant C, D. Elle vient souvent à l'école avec des vêtements sales. Je cherche pas à minimiser dans votre intimité, mais mon rôle est de m'assurer que les enfants mène une vie extra-scolaire saine afin de leur permettre de se concentrer sur leur éducation. J'ai essayé à plusieurs reprises cette année de prendre contact avec vous par téléphone ou par courrier. Je suis aussi passée chez vous la semaine dernière, mais personne ne m'a répondu. Cette lettre est ma dernière tentative. Merci de m'appeler au plus vite, au numéro indiqué. Si j'ai pas de réponse, j'aurais contacté les services d'aide à l'enfance. Ah ouais. Ah là là. Bon, il y a l'autre qui m'attend possiblement, là. Oh là. Ça... L'ambiance, elle change direct, hein.
Ça pue, hein. Moi, je trouve que ça pue. Ça me stresse. Ah non. Ah bah oui, mais non. Ah non. Ah non. Il y a ma femme qui me regarde à droite. Vous la voyez à la porte? Ah non, ça m'angoisse. Sainte mère. Bah ouvre, hein. Puis elle reste là. Oh oui, il fallait. Ah, il fallait juste rentrer dedans comme ça, en poussant. Merci les copains. Ah bah oui, bah ça c'est sûr, on n'a pas la lumière à tous les étages. J'ai jamais dit que c'était le cas chez moi. Merci les copains. Ah bah ça fait 10... Oula. Ça fait 10 plombes qu'on y est, mais on s'est pas dit, on va peut-être... Bon, moi j'ai le respect du matériel. Attends, par contre là il y a trop de pièces d'un coup. Ça on peut pas me l'enlever. Je suis très respectueuse. Oh là là. Non, non, bah non, fais pas ça. Ok. Ah, je suis à 51 minutes sur 1h30. Ah, quand même. Putain, j'en reviens pas. En fait, il fallait juste pousser. Ah bah, ça va mieux quand on pousse, hein. Ah, effectivement, ça va mieux d'un coup. Oh là là. Encore une scène incroyable, hein. Bon bah on va essayer d'enchaîner et vite. Hein. Donc ça j'y suis allée. Je reviens pas. J'ai pas poussé les portes. Alors si ça c'est pas... Utiliser le conduit. Allez on y va. En avant Guingamp. Wouhou. Oula oula oula. Oh les dingueries. Oh les dingueries. Faire du coup. Tu peux pas courir dans le jeu. Ah ! Ah, c'est dommage, j'ai cru que c'est... j'avais réussi. Sois juste rapide, c'est tout. Ok. Je vais essayer d'être rapide.
Morte là. Ne dites pas qu'il m'a pas vu. Soit il est très con, soit il est très con. Oh, moi je bouge pas, hein. Non mais what? Faut que j'attende qu'il ait le dos tourné là. C'est quel endroit? En fait, il va toujours être en feu. Arrête, tu coupes rien du tout, Martin. Tu nous prends pour des teubés, hein. Non, mais... Très compliqué, ce qui se passe là. Non mais là j'ai pas fini, j'en ai pour 8 ans. Il m'a vu là. Non ? Il est aveugle ce con. Mais qu'est-ce que je dois faire là, le chat? Qu'est-ce que je dois faire? Faut m'aider là. Qu'est-ce que je fais? Tu as sans doute un passage derrière lui. Allez dans l'autre pièce. Alors quelle pièce du coup? Oh non. Enfermé dans la première pièce, tu es passé à côté du bouton. Ça, ça fait chier. C'est pas grave s'il me voit, tant pis. Okay. Il est moins aveugle. Hein. Oh la vache. On va voir. Bon, je marche sur le verre. Voilà, demi-tour. Ok. Là vous me dites, il y a un bouton et je l'enferme. Ok, bien joué.
Par contre, c'est Slenders y arrive le bordel là ou... Ou comment ça se passe? Je peux pas faire une photo du truc là? C'est de... Oh! Oh! Bien joué le chat, hein. Vraiment une bonne ambiance. Non mais attendez, non mais... On est où là? Parce qu'à la base on partait d'une maison, hein. On s'en souvient. Attendez, oh non. Maman, je suis désolée pour tout ce qui t'est arrivé ces dernières années. Je peux plus supporter tout ça. T'as pas idée du nombre de fois où je me suis cachée sous le lit pendant que papa te faisait du mal. Du nombre de fois où je me suis endormie sous le lit en t'écoutant pleurer. Je t'en veux de ne pas m'avoir emmenée loin de tout ça. Je vais prendre la fuite avec mon copain et je reviendrai pas. Même si je dormais dans la rue, je me sentirais plus en sécurité qu'ici. Je peux plus vivre comme ça. Aujourd'hui, je suis assez grande pour comprendre que rien de tout ça n'est normal. Nous reverrons peut-être un jour, mais lui, je veux plus jamais le voir. J'ai toi aidé, maman. Je t'aime. Je t'aimerai toujours, Maggie. Ça fait mal au cœur. Peut-être qu'on se verra un jour, mais je ne veux jamais le voir. Aide, maman. Je t'aime. Bon, le chat, faut qu'on trouve un truc qui appartenu à... Oula! Il se passe des trucs, hein. On est à quel étage, là, au juste? Oh là là! Non, puis ce qui est bien, c'est que c'est de plus en plus accueillant, quoi. Ah, le ton a été donné quand on a buté notre femme, de toute façon. Hein. Déjà, à partir de là, rien n'allait. Oh, mais moi, c'est bon, je veux pas me cacher. Hein. Je retourne le cerveau parce qu'au final on connaît toujours pas la vérité, c'est vrai. On va où là? C'est horrible. Non mais je fonce, allez tant pis. Tant pis, il y a sûrement des mecs qui m'attendent et tout mais... J'avais pas vu. Comment elle a foncé? Oh, elle a fait peur. Ah, mais elle a foncé à toute vitesse aussi. Martine. Allez, elle était vif. Hein. Oh, elle était d'une rapidité assez incroyable. Ou un objet ayant une valeur sentimentale. Mais on est dans un hôpital psychiatrique en fait. Un objet qui a une valeur sentimentale, je suis désolée mais... Je sais pas trop en fait.
Ah, mais d'accord, en fait. C'est vrai qu'il faut la prendre en photo. Hein. Est-ce qu'il a vraiment tué ou est-ce que sa femme qui a pété un câble, ça, on sait pas. La première camisole de force. Il y avait un truc avec une camisole de force? C'est ouf comme valeur sentimentale. En photo, ça fait rien du tout. I hadn't spoken to him in what seemed like an eternity. So shocked when he asked me to come back to the cabin. I assumed he wanted to fix a marriage. Maybe try to move past everything and start over. Last time we were at the cabin, it was so romantic until the freak show started. And I vowed never to go back. Oh là là. It will help our marriage. Triangle crabe, triangle vers le bas, cœur. Triangle cœur, crabe. He started babbling about this being the place of conception and rummaging through that fucked up basement. I don't know if I should be indulging him or getting help. I want him to get help, but I'm scared. Down here we end. Ah, y'a pas les trucs que je pensais. Oh putain. Oh mais les cracks. Oh les cracks. Elle, elle est là. Je me barre. Little Michael, I'm still not used to the name, but it's starting to grow on me. Perfect. Je comprends plus tout là. Oh là là. Oh là là. Ok. Ça pue. C'est quoi le dernier objectif? Trouver un briquet? Vous devez trouver quelque chose et un porte-nuit à la famille de votre femme. Oh putain. Attendez, la boîte à musique. Ah bah non, peut-être un bijou. Une horloge, cloc 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 cloc. Un fer à cheval.
6 juin 1996, Gary est devenu complètement fou. Depuis Michael, il me terrorise. Maggie aussi a peur de lui. J'aurais dû partir avec Maggie depuis des années. Mais je l'aime, je peux pas le laisser comme ça. Maggie a fait une fugue. Elle me déteste parce que je lui résiste pas. Elle a raison, je sais pas où elle est maintenant et je suis toute seule. Seulement ma petite fille peut rentrer. Je voudrais aussi retrouver Gary. Au lieu de ça, je suis coincée avec ce monstre alcoolique. On était tellement heureux. Comment tout ça a-t-il pu arriver? Ça fait déjà 10 ans. Je suis tellement apathique que j'ai du mal à sortir de mon lit. Il faudrait que j'arrête mon traitement, mais il n'y a que ça qui me fait. J'aimerais tellement changer les choses pour Maggie. Après tout, le vaut mieux qu'elle ne soit pas avec moi. L'horloge, fer à cheval. Ouais, il y a de plus en plus de masques, ça je suis d'accord, ouais. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Ah, ça pue, hein. Non mais... J'avais pas vu la porte là. Angel, comment tu vas? Il y a bien Netflix en train de rejoindre. Je crois que je t'ai dit coucou, je sais plus avec ma mémoire. 10 left, 50 right. Ah, bah attendez, parce que alors là, je sais pas faire ça. Ça, je suis nulle. Donc 10 à gauche. Je vais de sur 10 à droite, 50. Puis 5 à gauche, c'est ça? Vous me notez le chat? Vous êtes adorable, merci. Donc, gauche, 10. Donc, non, je pars à gauche du coup. Donc, 10, 50 et 5, c'est ça ? J'ai mal fait. Gauche. Ça. Attendez, je réinitialise. Donc. Ah, réinitialiser. 10. On y va. Ah, mais il faut peut-être que je confirme en appuyant sur un bouton. Attendez. Genre là. Oh merde. On recommence. Qu'est-ce que je fais mal? C'est dans l'autre sens? Qu'est-ce que je fais mal? Menu des Yoshi, repose-toi bien. Inverse le sens. Ok. Ah, t'as raison. Ouais. Ouais, baf. Il fallait le savoir, hein. Bah, non, c'est de plus en plus. Mais putain, mais. Elle va mal finir cette histoire, hein. Je m'y connais pas trop, mais. Ça va mal finir, hein.
Et là, qu'est-ce que je dois faire? Ça doit être l'étape finale, là, je pense. Hein. Every action you take will bring you closer to your judgment. Gary's gone totally insane. Maggie ran away. Elle me lutte en she hates me for not standing up to him. She's but right. Now I'm all alone. And I wish my little girl would come home. But I love him. And I can't just leave him like this. Je veux que tu cicatrices bien. Et là, je fais quoi maintenant? Non, parce que là, il y a un vrai drame familial, hein. Brûler les objets. Je les brûle dans quoi? Dans la cheminée, du coup? Elle va pas se laisser faire, hein. Search grid has begun over the crash site, but no survivors have been. So here he stands at the gate. Does he understand the extent of his crimes against his eternal soul? He can't set things right. It's over. He can ensure eternity is fitting for those he affected. I'm letting it out here myself. Well, time to end it. Move on to the best part. That concludes our broadcast today. Le bouger éclaire toujours le chemin. Nickel. Ok, c'est bon, j'ai. Ah, mais je croyais qu'il nous prenait pour un con. Par contre, me dis pas que je dois trouver un briquet à chaque fois. Hein. Genre, me dis pas que le briquet est à usage unique. Hein. Bah, allez. Non. Non. Oh, il nous prend pour des cons, je crois, là. Non, c'est bon. Il faut faire le rituel. Alors, je pense que le lieu du crime, c'est ici. Je suis pas trop sûre, hein, mais... Oh là là! Okay. Mais c'est là le lieu du crime, non? Le crime est à l'étage. Ouais, dans là où il y a le tableau. Mais je me dis bon. Elle va pas se laisser faire, hein. Elle va pas me laisser en mode bon bah ok, nos soucis. Si. Disperser les cendres. Spiritus lapinus. Ok. Je disperse, hein. Et maintenant. Chérie, je m'en vais. Oh. Et maintenant? Ouais, j'ai cru par contre que c'était mort. Hein. Puis sur une touche pour continuer. Ça pue. Non mais regardez la gueule. Quittez les lieux. Non mais regardez la gueule du tableau, s'il vous plaît.
quitter les lieux. Non mais... quitter les lieux là pour voir si ça va. Non mais c'est juste une précaution, vous inquiétez pas. C'est juste pour voir si vous allez canner maintenant ou pas. Mais pas de soucis hein. Ok. D'accord. C'est vrai que ça me paraît ma foi accueillant. Passer par la baie vitrée, moi. Attendez, et je prends le garage ou pas ? Ah, moi je fais comme ça, je m'embête pas. Hein. Voilà, je... alors quitter les lieux, c'est-à-dire est-ce que je lance la... ah bah non. Alors comment je quitte? Attendez. Ah. Ah bah tiens. Quitter les lieux, MDR. Quitter les lieux là pour voir vite fait. On n'est pas prêt de les quitter les lieux. Hein. Non, non, pour moi on va crever ici. Non, on va passer notre vie là-dedans. Dans ce bordel. Allez hop, ça c'est notre étage, les limbes. Ah mais ça c'est la vie qu'on a décidé de mener. Bah, vu les saloperies qu'on a faites, hein, c'était sûr. Hein. On n'allait pas se barrer. Si facilement. Non mais... eh. If you take your place, ah. Someone will be with you. Le cœur va me rejoindre. Oh bah Lucie, je prends place hein. Ah c'est 337, je me suis plantée. Eh, allons-y hein. Eh. Et puis là, c'est joyeux. Ah bah tiens. Non mais... ah bah oui, on va se taper le bourreau là, c'est sûr. Oh. Il y a notre femme qui va surgir et rigoler. 100%.